la police et qui continue à mener opération, qui continue à frapper bandits. Eh bien, au-delà de ça, eh bien, nous la police, eh bien, qui utilise leur stratégie, monsieur, déployer drone là, j'en ai absolument, mesdames, monsieur, la police qui déploie drone en façon avec service intelligence pour continuer à frapper petit monsieur gang Zayo. Évidemment, nous prenons voir plus de détails parce que nous toujours après dans média yo, ils ont fait jolé, qui a montré qu'il y a un drone, mais la police, gain bagarre dans mail. Évidemment, nous pas toucher ça. Puis sans compter nous avons plusieurs bandits qui joignent arrestation des individus que yo pas identifié. Et côté que premier ministre haïtien qui même qui était sous zone et bien Jean Mal premier ministre Garikoni qui était rencontré avec leader communauté Bel Air et bien qui était déroulé contacté déroulé dans quartier général et bien l'armée d'Haïti et bien nous connaît raison rencontre là sont jusqu'à date inconnue. Eh bien, et n'a avancé toujours dans le même cadre information yo jodi là et bien n'a que la police nationale d'Haïti qui au même qui mettait en bas-corde mais plusieurs individus c'est Lucine Alexandre, Schneidin, Févilien, et puis Sherwin et Jouboam, et bien qui se concubine chef gang PSI selon la police nationale d'Haïti qui présentait et bien bandit sa yo. Et bien, bloc majoritaire consensus, 21 décembre, yo rejeté, et bien catégoriquement idée pour remplacer provisoirement Louis Gérald Gilles, le conseil présidentiel, la police nationale, et bien qui arrêté dans Delma 31, Lucine Alexandre, membre gang chien, méchant Schneidin, Févilien, Madame Gang, Routière 7 à Sherwin Joboam, qui est Madame Augustin, ainsi connu dans Pierre 6, individu sérieux impliqué dans divers actes criminels, tant qu'au pied à Kaboulé sous commissariat, dans son divisé, et bien individu sérieux que nous avons gardé là sous écran, et bien que c'est eux-mêmes qui étaient partie de groupe Gang Sa, qui eux-mêmes qui a opéré, et bien la police lui-même lui mettait en bas corde, et bien surtout, et bien femme ça que, et mesdames, ce que nous avons gardé là, ils ont arrêté, c'est Lucine Alexandre, qui est membre de la gang chien méchant, Schneidin, Févilien, Madame Ganroud, Pierre 7, Sherwin Joboam, et bien Madame Augustin, ainsi connu dans Pierre 6, individu ça a été impliqué dans divers actes, et bien pillé à rebouler sous commissariat au niveau des zones civiles. Mais c'est ce que j'en ai toujours dit. Et pour qui raison c'est arrêté yo? Et nous capables, c'est qu'on y a là, monsieur gang ça yo. Et en pile demoiselle, en pile jeune femme qui n'en base gang. Ça veut dire yo pas là simplement pour faire manger, non. Également, yo gradué. C'est mesdames ça yo, monsieur dame ça yo. Et nous, yo justement, eh bien, yo dans toute base. Donc, effectivement, pour qui ça s'est arrêté yo, c'est pas l'autre bagaille. Et bien, je dis à tous les affrontements qui éclaté depuis le matin entre forces de l'audio avec un bandit au cœur de la capitale. Et bien, puis, mon détendu, et bien, détonation automatique et qui t'a sonné dans la zone oui, Monsieur Guillou, Camo et Alette. Et bien, chauffeur, piéton, ensemble avec et petits commerçants, eux-mêmes, qui t'a pas poursuivre dans l'activité. Et bien, son journée qui était annoncée difficile, et bien, pour, et bien, population, et bien, au niveau de zone Silla. Et pendant que nous avons parlé de ça, et bien, Lionel, nous pourrons prendre pour ministre Garikoni qui lui-même et qui fait un coup de pied descendre et bien matin et bien PM Garikoni lui dit content pour le retrouver lundi et matin lundi à la champ de masse côté que la vie reprend progressivement et bien son coup et bien sous la protection de la police nationale et puis membre force l'armée et d'Haïti et eh bien, pas de n'importe avec information si là, côté jeudi lundi là et bien il y a une grosse démonstration de force qui fait en bas la ville là en présence et premier ministre Garikoni qui lui là c'est dans base d'armée d'Haïti et nous là dans même moment ça a dit il y a plus de 10 sablés qui étaient envahis zone en bas la ville là et opération a mené pour plusieurs zones si par exemple zone Ripade Riel Alerte toute porte aérienne organe c'est coup de balle qui t'a chanté mais dans même moment tout Garikoni envahi et en bas descend en bas là et a gagné comme plusieurs backup plusieurs dizaines et grand agents FADH qui t'a sécurisé côté que Garikoni fait gros déclaration pour lui annoncer et la opération capable libérer prisonnier n'a continué et féliciter la police de l'armée d'Haïti qui commence là créer un climat plus ou moins favorable dans El Chan Massa n'a rappelé Chan Massa en force nationale c'est la base de l'armée d'Haïti même lié par des quartiers général côté que Jimmy là une grosse démonstration de force qui fait en bas la ville là Garikoni qui lui même là a dit et ben promettre là et opération continuer. Maintenant, même présence Garikoni nous parle de, et bien, jusqu'à présent, on a parlé de là, c'est un plus gros capturé en balade là, plusieurs chablindés, il va y avoir plus qu'une dizaine de chablindés en balade, à toquer comme nous avec M. Améola, il va y avoir des bandits qui ont même affecté la population. Son zone, au fur et à mesure,
qui a essayé de libérer par rapport avec et contrôle zone ça la police et finalement commencer à prendre au fur et à mesure et messieurs là ont paniqué. Donc moi crois que Jimmy ça a fait là il quand même commencé pour ton espoir mais gars iconique lui même encore une fois une nouvelle fois qui descend en bas la ville là et bien qui a fait une démonstration de force accompagnée de l'armée d'Haïti. Oui, la police mobilisée dans tout niveau pour permettre l'opération continuer et puis rétablir sécurité dans le pays d'Haïti, c'est ça porte-parole adjoint et PNH là lui-même Lazare Lionel lui fait qu'on est dans le moment il a intervenu dans le journal première occasion matin lundi 9 septembre 2024 il y a l'autre bord Lazare fait qu'on est toute zone la police fait une opération de la donne pour permettre population ainsi que les libres et libres qui invitent les populations et des têtes fouettes pour pas prendre la diversion bandio à fouette. Le premier ministre Gaïkouni dit bien intention et bien pour lui-même les capables et révoquer standard les ministres du public là et bien le premier ministre qui réagit sur diverses allégations trafic influence qui s'est fait contre le ministre de justice M. Carlos Hercule. Voilà, c'est sûr, certains gens nous disent mesdames, messieurs, bon, nous te dit que n'est pas en surprise dans le niveau de la police travail là dans niveau monsieur Gangyo est spécialisé dans niveau que monsieur Sayo a frappé a fait des crimes horribles la police pas gain choix adapté mesdames messieurs nous même nous toujours dit n'a toujours campé beaucoup la police et bien c'est dans cadre ça monsieur yo effectivement yo y a font une démonstration de force parce que pas oublier bataille en guerre qui gain là c'est pas simplement une bataille et physique ça veut dire que oui Jean wè Izo a bat colli et a montré qu'il gain drone mais la police gain matériel dans même tout évidemment toujours capable gain des critiques et pour qui raison la police décide à montrer drone moi même personnellement m'pas fin d'accord m'pense que monsieur t'es capable toujours montrer qu'il gain drone mais faut qu'on pas bail trop détail faut qu'on pas montrer qui qualité de drone qu'il gain qui style de drone ou façon pour ennemi en lui-même tout capable faire même commande dans tout et puis pour pas dire pour nèg capable ouais et qui genre de drone qu'on utiliser parce que bah technologie facile pour nous contrer carré m'pas qu'on soit dans ça là et dans cadre drone ça c'est sûr c'est gain l'autre probablement mais image ça, c'est la police qui l'a gueule. Oui, monsieur. Et nous, elle a, la police qui finalement montré les capacités et technologiques pour qu'elle contrôle tout en dans 20 messieurs, même j'ai même tout le montré de pas pour capable impressionner la population, pour capable impressionner la police. Alors, vous m'expliquez, mon nom. Tout depuis c'est bon travail qui vise et mettez résultat et opération la police en échec, nous-mêmes, nous toujours elle par un mauvais bagage. Papi, si bon Dieu gagne drone, monte chaque toute la journée à monter au gain drone, mais si la police fait qu'on est au gain drone tout, donc c'est pas mauvais. Donc il y a impressionné monsieur tout. Même quoi que, eh ouais, peut-être, il va obliger montrer qui type de drone, qui qualité de drone, ou bien combien de drone gagne. Ouais, pas monter qui qualité je dis, ça important. Oui, exactement, parce que nous là son bataille stratégique bon Dieu a mené ou après le même Léo pour crimes opération, Léo tu un policier. Yo moutre yo fait vidéo yo moutre le yo se nos amis dans la police yo moutre même quoi police là yo même yo vinn après prendre de façon stratégique yo fait connait que yo gen bagaille nan men yo et n'a regardé là j'en a regardé là dimi nous la police ka montrer image qui a capturé avec drone que yo gen et yo moutre yo gen contrôle tout en dans trip messieurs yo désormais passer là encore une fois la police qui commence à gagner des matériels adéquats qui permettent de capable réussir dans cette opération qui a mené donc nous là sont la police plus que déterminée. Oui, en même temps toi monsieur nous un boy ici a nous parlons toute bagarre ça avec la police mesdames et messieurs. Nous parlons toute cause ça avec la police. Son seul bagarre nous mandons, nous pas vinn montrer comme si c'est pour un défilé de mode. Qui est-ce qui a plus belle drone? Qui est-ce qui non, fait travail ou vide bandi, arrête bandi. Reprendre c'est là nous camper, qu'on gagne drone ou pas gagne drone, c'est ça qui est important pour nous là. Fait travail parce que moi monsieur ça au sans les montrer comme son défilé de mode. Ah, moi même gagne si ou même ou pas gagne ça. Wow! Monsieur, mettez grand monde sous nous, vide bandi pour nous. Oui là nous. Mais Babi et tout n'a avancé, Babi et tout dit, drone, c'est des drones, c'est la police qui a acheté, ou civil pas acheté, ou quoi. Depuis la police a gagné volonté, c'est le gouvernement qui a gagné volonté, et dès qu'il y a la police a gagné volonté, c'est certain, c'est monsieur pour en bas. Pot en bois, comme vous mettez avec pot en fer. La police, c'était la police, quoi que, même Jean-Jean dit, la police a commencé à montrer nous qui est capable, ouais, la police qui n'est pas, même besoin, même dans l'opération, et bien on dit, sans qu'elle n'ait pas avancé, elle n'a pas gardé, en pile résultat, comment c'est bail. Et si on a précisé, et l'opération qui est toujours bien là, au niveau grecier, et au niveau de l'organe, et plusieurs bandits tombés, population mobilisée, et plusieurs années pour Bois-Calais, et nous, c'est même quatre figures là, en bas de la ville là. Pour le moment, n'a pas les là, côté que la police m'a planté piquet en bas de la ville là, plus, bon, pas même dit combien de chablins, mais il y a plus de chablins qui déployés, et qui a essayé, mettez contrôle, et nous, là, toute zone grand, oui, Dini, mais ça a avancé, je crois que, encore une fois, la police qui montre détermination, côté que vous voulez, libérer, en pile dans le territoire perdu, pour population capable d'évacuer avec activité. On attend
qui résident à Zavalbay, est-ce que finalement il a démantelé ISO, est-ce que finalement il a démantelé tout l'autre chef d'homme qui occupe la villa, sur une question de temps, Napton, qui ça, Zavalbay est prêt. Voilà. Oui, Napton, écoutez, information qui s'en sert à peu de l'actualité. Eh bien, et nous connaissons un pile haïtien qui eux-mêmes qui dans la diaspora, eh bien, et qui eux-mêmes qui ont besoin de venir la caillou, eh bien, la boue gagne en pile dans eux, eh bien, plusieurs diaspora qui descendent au caillou, dénoncé, compagnie Sunrise Airways qui sont dans les cours. Je me demande si ça qu'on est arrivé où, côté que, et malgré le perdu, eh bien, la boue gagne pile mon là, en pile diaspora. Il y a plein, et eh bien, pour compagnie ça, c'est Sunrise Airways, c'est-à-dire, qui prend Maletio, et en monté Mounio, et eh bien, qui réaction ça, quand il y a déjà fois, il y a des plaintes pour compagnie ça. Mais c'est sûr, certain, ça arrive, mesdames, messieurs, si vous me faites une histoire courte, et nous, dernièrement, nous sommes dans le mariage, et Denise, et là, nous et dans New York, nous sommes dans le mariage, Denise, c'est courir, me courir à l'acheter notre costume, raison, parce que nous ne pas malette, nous. Moi-même qui t'ai quand à l'acheter belle costume, on connaît, hein. Mais malheureusement, t'es obligé, là, m'arriver, m'pas jeune malette, moi. Mais effectivement, m'saluer, et la diaspora haïtienne, peuple, là, c'est pour nous porter plainte pour compagnie ça, yo, parce qu'on désordre total. Et puis, nous-mêmes haïtiens, nous trop s'y tirer. M'a dit, c'est pour nous porter plainte jusqu'au bout, là. Ça veut dire pas arrêter. Compagnie Sunrise, peu importe qui compagnie, porter plainte pour yo, parce que, je dis à la, yo prenons nous pour acquis. Pas quitter personne prend pour acquis, mesdames, messieurs. Ça veut dire que nous-mêmes haïtiens, yo connaît nous s'y tirer. Yo connaît nous pas porter plainte vraiment. Nous devons porter plainte parce que nous payons taxes, son droit lié. L'on achète ticket à tout ça rentrer là-dedans. Et là, nous n'avons parlé de Sunrise dans la ville Okaï. On prend direction ça, une fois de plus. On vient là à 8h pas gain malette. Les demandé pour nous parler avec le responsable dit comme ça que pas gain pour nous parler. Et gain moun là nous venait porte là qui gagne 6-7 jours depuis que rentré ici à là y a monter descendre malette. Mais jeune wa baio là Sunrise et gang. Ils ont gain zam la fait gang. Sunrise même il fait gang par là sans zam, ça c'est vololier. En pile diaspora quand rentré ici à là, les monter descendre malette, yo pas jeune malette, mais ça passé. Yo tout kembe malette là. On dit soit venir ici ou venir en terme pour 3-4 jours. Malette ou entre, ou fait 4-5 jours à binder malette ou pas jeune malette. Faut tourner aux États-Unis, faut aller au Canada, faut aller en France. Qui ça qui passe? Son gars kembe malette yo. Il pas fait sens. Ça y va gang nié. Gang pas nèg légal. Ils ont barbecue, ils ont fait avec ça. Mais dès que ça y gang yo, c'est gang légal lié. Pour nous faire, pour n'aller aucun côté. Donc, c'est une situation qui est présentée qui vraiment pas bon pour nous-mêmes. Alors, nous demandons direction son réserve, spécialement Port-au-Prince. Pour faire coordination avec les branches Sunrise qui sont au là, c'est de façon que pour capable de traiter les customers mieux, parce que les gens qui traitent nous en tant que customers qui fait compagnie, qui fait l'argent, ce n'est vraiment pas bon pour nous. Voilà, non, ce n'est pas bon. Je nous dis, mesdames, messieurs, qu'on n'y a pas parlé. Utilisez droit nous. Peuple ici, utilisez droit nous, tout soit fait. Pas quitter personne pour nous pour acquis. Tenez ça bien. Portez plainte et faut nous porter plainte. Pas comme si fait, comme si à René Terre, m'a gâte fait. Fait! Et bon, dis-nous, même dans l'avion, l'on prend l'avion, mesdames, messieurs, et ou moute avion, gagne des fois en avion, qu'on tellement fait fret. Sinon, pas plusieurs qui potent plainte, y a toujours quitté en avion fait fret. Bah, on si c'est exprès ou fait même. Ça veut dire que, mesdames, messieurs, en tout moment, haïtien, levé campé. Le monde entier contre nous, c'est pour nous levé campé contre tout ça, et contre toute forme de justice, ça, yo. Oui, Lionel. Bon, parce que Jimmy là, il faut nous commencer à lever voix par rapport avec un pile de témoignages. C'est vrai, moi, c'est vrai, bon, même moi, je suis victime de ça tout dernièrement là. Et malais pour entrer n'importe là, le gars de ouais, malais tout désipé, il a crasé tout le cadre. Bon, pas mal de boulot, si tu as mis le cadre là, dans malais tout même, il a crasé, il y a une petite raison valable, il a crasé, d'après ça, vous savez qu'on est. Donc, il a fouillé, il a chargé ça, et ça, vous allez quitter pour vous. Souvent, je pense que c'est pas mal, ça vous prend des trucs. Moi, je crois que. Mais c'est ça, Remap de Lanol. C'est plainte, oui. Léo Fell, nous pas porter plainte. Nous accepter tout le monde comme si, fait comme si rien n'était, en nous déposer plainte au plus haut niveau jusqu'à ce que ça suspende. Oui, na, c'est pour nous, c'est pas seulement Sunrise Airways seulement, comme compagnie ça a gagné. Bon, de quelle toute compagnie a avion, qui l'ingaïe qui vient en Haïti, yo pas pour nous voir rien. JetBlue Fell, il dit, toute l'autre compagnie qui fait tout Fell, yo. Vraiment, des fois, vous faites connaître tous ces employés dans les portes là, ils vont parler de ça. Vous avez donné même des questions de quelqu'un sur ça, ils vont connaître tous des fois ces employés dans les portes là. Moi, je crois que, faut que nous le revoyons, faut que ça finisse parce que c'est pas possible pour que les objets en demandent à l'étout, ce sont des objets illégaux, illégaux que vous portez, et puis vous pouvez voler, soi-disant employés et compagnie, et ça va être un après objet que vous gagnez, objet important que vous gagnez. Moi, je crois que, faut que ça finisse et même faut que nous le revoyons. En parlant de compagnie Sunrise Airways qui lui-même a baissé pied mon yo. Et souvent dit mon yo comme des réservations.
avion pas venir avion retardé yo pas yo fait mon payer encore et on croit que faut modification pour bail en parlant de et mais des compagnies capteurs de coûts haïtiens mais pour nous changer pour n'a passer à l'autre information tout ces opportunités à tout talent non 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 talent en tout bon sur avion également et moi comme tu déjà dit nous ça mesdames monsieur grand moment moi même personnellement m'étais prendre initiative moi relé compagnie Air Canada moi dit Air Canada moi relé compagnie en bureau central là moi dit pour nous dit que Haïti son pays pauvre dame nan dit oui c'est ça tout le monde dit me dit OK étant donné nous même nous dit que Haïti pauvre de qui doit pour nous oser avoir un ticket $900 $1,000 presque $1,200 puisque ou même encore nous même encore nous dit pays à pauvre si nous connaît pays à pauvre nous pas gain droit augmenter ticket aussi cher il dit monsieur ou gain raison mais quand c'est le seul bagage qui passé pas gain aucun monde qui jeune pour te plaindre. Par jeune gars haïtien créé les compagnies Air Canada, Air France pour pas dire Air Transat American Airlines, pas gain youn qui porter plainte pour t'a dit ah mes amis ticket trop cher, on déposer plainte, nous pas faire. D'a me dit si nous te porter plainte, ticket t'a obligé baisser, il y a monter ticket, tout monde fait silence. Encore là, même bagarre là. Oui la Nol Giselle. Et par exemple on a dénoncé des compagnies capteurs des coûts après haïtien, malheureusement peuvent haïtien pas gain l'état, pas gain autorité pour capable régulariser les choses. N'a tout vous saisir le pontier avec Jimmy pour parler de diesel n'a comme compagnie téléphonique ça mes amis Jimmy pour ça compagnie ça au plus gros gang passé monsieur Améo quel te isot il a pris bon garantie compagnie téléphone ça fait la plus abi que gang yo moun yo a plein moun yo a peur on non pays pas gain travail d'après doléance que nous jeune Jimmy moun yo pas en travail moun yo kon meton comme là le fond non seulement yo monte plein aux gens au blé mais moun yo kon meton comme ce téléphone là c'est ça pas bon et les fini et gain en pile manière que utiliser pour capable voler minute moun sur téléphone yo mes amis n'a pas de l'état haïtien n'a pas de Conatel et c'est vraiment malheureux parce que Conatel et son seul avec on va téléphone yo il prend l'argent par en bas pour au lieu que yo faire respect que doit peuple haïtien et ben il a tout visé nous croyons que faut diesel avec Nacom faut nous commencer porter plein pour tout parce que dans tout l'autre pays de compagnie téléphone yo go et gens comporté mais en Haïti comme quoi son savant yo fait ça au blé pas ni l'état pour régulariser les choses moi croyons que faut bon beaucoup pour dire faut commencer là consulter des cabinets d'avocats pour que dans le pote peuple pour compagnie ça qui a pas découvre pas ici qui même pas aucun monde qui pour défendre ni pendant nous c'est dans bail des compagnies téléphone n'a pas été des bateaux tu dis ni nous c'est pas doléance plein pour un pile monde qui au même qui m'a dit c'est pour transporter marchandises dans grand pays mais comme l'a dit c'est Steve Kaoli de pour pas depuis c'est pas gros paltoyer gros limen ou pour pas capable faire commerce dans grand pays tout bagaille et information qu'on est l'état même alimenter ça gagne carrefour là côté que il gagne et Paul au niveau top 14 et ben il alimente pendant ce temps pas jamais attaqué il pas jamais attaqué et ben business yo capteur bateau mission mais devise bateau cap porter malaise l'autre de kidnapper 10 15 20 si malaise qui pour voyer yo tout pas porter bourre sur yo kidnapper autour yo comme quoi pas supposé faire business qu'on y a là. Grand site là, c'est mec qui a l'argent, gros pardon, qui seulement autorisé pour faire business. Eh bien, si Marie, si Malé, si Joe, eh bien, il utilise des bandits pour faire décourager faire business. Bon, ouais, ça, faut que nous dénoncer, mes amis, peuple à la gueule, pour qu'on comme nous-mêmes, nous dans les médias, nous pensons que nous sommes capables de faire, lever, nous sommes capables de porter message à vous pour autorité autorité. Donc, si vous avez dit, compagnie avion, ligne aérienne, yo, et nous parlons de ligne téléphone, compagnie téléphone, il y a tout fond seul. Pour couper par ici, hein. On a les justice en moins ses coups, je ne sais pas, en moins ses coups, et par rapport avec des compagnies capteurs des coups. Même compagnies transfert, tu dis maison transfert, sont véritables galimatas, sont véritables corruptions. Pour dire que nous avons un corps pour le monde, lorsque nous avons maison transfert à 10 000, nous avons un champ pour avoir 1000 gouttes pour avoir l'argent. Donc, il y a plusieurs mondes qui vont nous donner un compte de passé pour nous dans le cadre de ça. Eh bien, maison transfert, à toi des coups, nous devons nous payer de la sécurité. Depuis l'autre bord, les investisseurs prennent encore. Et quand c'est l'argent, l'État dit par rapport à tout du jour, il n'y a pas de ni. Donc, mes amis, en moins, c'est coup, peuple a demandé, diaspora a demandé, si son temps découle, population a demandé, si son temps découle, par rapport à des corrompus et qui a essayé, eh bien, utiliser pour passer au pagain l'État pour défendre. Voilà, on nous avance, monsieur, on nous avance. Oui, on a avancé pendant que nous avons plein là, il y a des machins qui ont en moins parce que beaucoup ont entré l'école là, eh bien, parce que pas de monde qui vient acheter un rien, eh bien, depuis le matin, et puis même canet, il faut qu'on prenne en direction et machin qui ont demandé pour le premier ministre Gaïkoni. Si on va pour eux, et Jimmy, oui, on a plein malgré que nous avons l'État qui voulait forme, pour nous que forme pour bail, comme le dit Malbala, et bien, vous voulez former dans plusieurs écoles d'État, et nous devons parler qui apprennent plus formé, puis on va bénéficier, et bien, l'agence, et bien, par eux-mêmes, ils ont appelé
petit machin à plein parce que toute la rue c'est machin à plein, il y a monté des valises, c'est pour j'aime bien acheter, mon yo problème l'argent. Par contre sur les vidéos ça dit, ça montre nous comment petit machin yo en moi il y a pas de secours parce que yo acheté, yo pas vendre. On a regardé vidéo. Oui, bon, monsieur, mais pas oublier que le gouvernement s'est dit que l'école gratuite pour Timoun en bas d'âge. Encore là, même si l'école est gratuite, monsieur, il faut nous d'accord que maman, li, même parents, li, même li, capable et faire manger, faire boîte pour Timoun. On comprend comme si. Gon pression, gon stress quand même, gon pression dans ce sens-là. Et donc, on nous prend direction ça pour vous, mesdames, messieurs, dans le cadre de la vidéo, ça qui est très important. Et malheureux, malheureuse, eh bien, cap qui stressé, qui paniqué par rapport à l'entrée scolaire là, qui va le faire très bientôt là. En autant de succès ça, que nous avons salué et journaliste par nous et Jean, eh bien, qui fait vidéo pour nous, mesdames, messieurs, en temps de ça. Nous saluons, machin, comment est l'activité? À qui j'en rentre l'école là? Nous ne pas rentrer l'école, non, mais nous ne pas rentrer, nous pas rentrer, nous ne 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 si mon on longtemps pas continuer comme si ça était pas pour la chercher côté le four longtemps mais comme ils ont pas marron pour ça si là est ce qui point à mon nous pas café au bagon goût dans mon bandi casser point et tout non dis nous non mais qui gentil me pas l'école là point petit gars pas l'école 5 si mon gars pas gain une qui pas l'école parce que bagon goût c'est parce que pas gain activité dans la rue qui faut comme ça pas ca remettre lui pas ca remettre lui pas gain là même pas gain dit tout et là nous gain nous dire nous vinn passer journée là mais pas gain même et j'en attendais là c'est comme ça et marchand yo même commencer à plein par rapport de activité qui pas gain dans la rue l'école va l'ouvrir et pour voir comment ouvrir l'école là même pour le faire dans moment. Et demoiselle moi vendre pain et dis nous non qui j'ai activité pain là depuis le matin pour le vendre. Ok, voilà, je vais parler. Maman chérie, qui j'en ai? Oui, moi, et comme ça, là, était bien belle là. Depuis le matin, on va vendre? Mais qui en ça fait longtemps? Est-ce que tu as pas depuis combien de temps tu as fait business ça? On paquet sel pour ces deux là fini et ça le café parce que pas de moyen et bien bon différence qui gagne entre longtemps avec Kounia là dans moment n'a vivre là qui ça te longtemps bagaille te meilleur bagaille pas cher comme ça Kounia bagaille mais le bagaille pas cher quand tu gagne plus activité si mon avait con 500 gouttes dans même là fait combien provision mais Kounia soit 500 gouttes dans mon pas cher et c'est la cause et la vie chère qui cause monde pas venir acheter. Non, parce que nous pas travailler, pas gagner mon l'argent. Mais on pas gagner si mon école encore non? Oui, petit. Mm-hmm. Oui. Mais qui ont activité l'école là Ania? Jusqu'à c'était rien là et canaille dans la direction beaucoup. Mm-hmm. Mais la pluie là, la pluie envahi nous là, on pour que et pour vous comme ça. Mhm. Canaille dans direction beaucoup. La dedans du et l'école. On est quand même pour prendre canaille. Beaucoup canaille. Oh, comment si mon nous gagne petit l'école? On gagne 4. Ça veut dire qu'il faut préparer pour lui. Non, pas préparer à lui. Mais premier octobre, là, l'école l'a pour vous. L'école l'a pour vous, 1er octobre. Et je vais faire un moyen moi-même parce que j'ai un moyen. Marie mourit depuis 2009, je vais prendre. Tel cas avec vous. Ok. Si tu as gagné un message pour le gouvernement, là, et docteur Gary Kony, qui ça t'a pris?
pour faire l'école là. Mm-hmm. Vous pensez voyager sur pour faire l'école là. Mm-hmm. Et les petits monde dans cette l'école tout avant là les gens dans nos bagages, les gens dans nos qui font bagage. Voilà, mesdames et messieurs, voilà, nous capables comprendre des vidéos là vraiment intéressant et il dure à peu près 8 minutes. Évidemment, nous pas jeune toutes 8 minutes là, mais les vidéos sont déjà disponibles sur channel là. Ça veut dire que dès que nous finis là, on met rete branché pour jeune vidéo ça au complet et côté que justement, eh bien petit machin yo madame Sarah yo, petit madame maman chérie nous yo, eh bien yo même qui lance message Jacques d'aller ça puisque bagaille très difficile pour yo dans moment ça et mesdames messieurs. Oui, n'a pas avancé et Pradel et Lionel en ont avancé monsieur. Et dis-moi avant que me passe à l'autre information, il est important, oui, de montrer mon yo et image des images ça, petit machin nous yo. Moun sa se moteur économie pays que le plus souvent moun yo ignoré, yo pas vraiment tenir compte de yo. Et chaque moun en pile là nous capter là son petit machin comme ça qui était nous c'est petit yon petit machin comme ça on te qu'on a vendre et te permettre l'école pour nous te cabine samier. Moi quoi que petit machin yo dit mais d'après quelque temps on te parler en pile là de dit quand on y a passé dit pas nous cabine là ça yo mon corps go by gang. Oui. Bon dia mi mande touché. Quand on la cara là là dit mais yo gagne plusieurs groupes d'hommes qui la recette. On coupe pas à 8h du matin, on coupe pas à 10h. Yo paye. C'est méchant. Donne qui est dans zone là, yo paye yo. Et yo pas gagne l'argent, yo compte battre yo gars à faire tout ça yo gagne. Mes amis, c'est grave. Même monsieur bandi ça, en pile monde, en pile nous te comprendre qui te dit, il y a peine bataille, c'est si pays a libéré, mais même monde il y a gagne Bosco alors que gros business gagne même a fonctionné normalement, ça va pas gagne rien. Mon qui marchand dans la vidéo dit mais qui en pile là de nous parler, en pile là de et lever voir pour dire pour aller en moi c'est coup. Il est temps de revenir à Dieu, et je crois que c'est absolument la vérité. Mais je n'imagine pas vraiment que les païens ou les impies doivent changer, cela doit commencer dans le cœur de ceux d'entre nous qui remplissent les églises ou s'imaginent être des disciples du Christ. Il est temps de revenir à Dieu. Édiens, nous ne sommes pas la première génération à être confrontés à ce défi. En fait, il est présent dans toute l'Écriture. À de multiples reprises, Dieu supplie son peuple de revenir à lui, et je crois que les secousses que nous traversons, des interruptions des chaînes d'approvisionnement au défi du virus Covid, et tout ce qui se trouve entre les deux, c'est Dieu qui nous secoue, en nous disant de tourner votre attention vers moi d'une nouvelle manière. Répondons à lui. Prenez votre Bible et un bloc-notes, mais surtout, écoutons les invitations de l'Esprit de Dieu. Je crois que Dieu a appelé cette nation à l'existence. Je ne crois pas que cela soit le résultat de décisions humaines. Je crois que Dieu Tout-Puissant nous a appelés à l'existence. Je sais que ce n'est pas à la mode en ce moment d'être patriote, mais je le suis. Je sais que c'est plus chic d'être un mondialiste, mais je ne le suis pas. Mais bon, on ne m'a jamais accusé d'être à la mode ou chic, donc ça me va. Ce que je veux faire, c'est comprendre le cœur de Dieu. Je ne veux pas cultiver une sorte de nationalisme grossier et chauvin qui imagine que l'Amérique remplace tout le reste. Je vous ai dit ou rappelé que nous avons tous une double nationalité. Vous avez la citoyenneté d'un État-nation sur la planète Terre, la plupart d'entre nous sommes citoyens des États-Unis, je pense, mais vous avez aussi une citoyenneté spirituelle, soit du royaume des ténèbres, soit du royaume de Dieu. Votre citoyenneté terrestre, liée à un État-nation, est temporaire. Vous avez un visa temporaire. Vous avez un laissez-passer de visiteur. La Bible nous décrit comme des étrangers et des étrangers ici, des pèlerins en séjour temporaire. Et l'encouragement, le conseil de l'Écriture est de ne pas s'engager à fond dans le temporaire au point d'oublier la perspective du royaume éternel auquel nous appartenons. Nous avons tous un passeport qui nous identifie à un État-nation, et cela implique des droits, des privilèges et des responsabilités. Et je crois que quelle que soit la nation dont vous êtes issu, vous avez la responsabilité de prier et d'être une lumière dans cet endroit. J'ai eu une conversation aujourd'hui avec un monsieur du Congo, et il a un fardeau sur son cœur pour le peuple du Congo, afin qu'ils connaissent Jésus et les bénédictions qu'il apporte à leur vie. Il avait une clarté totale sur le fait que la seule chose qui apporterait un avenir meilleur à cette nation était Jésus. Je prie que les citoyens de cette nation aient la même conscience que la seule chose qui nous apportera un avenir meilleur est Jésus. Ce n'est pas en fin de compte une bataille politique, ou une bataille idéologique, ou une question de parti, ou d'individu, ou de congrès, ou de cour suprême, ou de gouverneur, ou de maire, c'est une décision spirituelle.
Ma première question est donc de savoir à quel royaume éternel vous appartenez-vous? C'est bien plus important que votre nationalité. Ne soyez pas un chrétien à trait d'union. Ne mettez rien devant votre identification avec le Christ. Mon Nouveau Testament dit qu'en Christ nous ne sommes ni homme ni femme, ni esclave ni libre, ni juif ni grec. Ce n'est pas une question de sexe, ce n'est pas une question de nationalité, nous sommes d'abord et avant tout des disciples du Christ. Donc, soit vous êtes consciemment, par décision, un disciple du Christ, c'est-à-dire que vous avez reconnu Jésus de Nazareth comme le Messie et que vous l'avez accepté comme Seigneur de votre vie et que vous le servez de cette manière, soit par défaut, si vous ne l'avez pas fait intentionnellement, par défaut, vous participez au royaume des ténèbres, c'est dans ce royaume que vous êtes né. Et il n'y a aucun moyen de ne pas rejoindre le royaume de Dieu comme vous rejoignez un club. Ce n'est pas en rejoignant une église et en obtenant une carte de membre ou en suivant un cours et en remplissant les conditions. C'est un choix personnel, et il n'est pas basé sur la perfection. Dieu a pourvu à toutes nos insuffisances, à tous nos échecs et à toutes nos impiétés, afin que nous puissions participer à son royaume. C'est une expression de la grâce. Mais cela étant dit, je crois que nous avons la responsabilité d'être sel et lumière envers les nations où Dieu nous a implantés. Cela n'a aucun sens pour moi d'imaginer que vous allez être missionnaire ailleurs tant que vous n'aurez pas été missionnaire auprès des gens de l'autre côté de votre clôture. En fait, je ne suis vraiment pas intéressé à parrainer votre intérêt pour les missions tant que je n'aurai pas découvert que vous avez été un défenseur très efficace de Jésus dans le quartier où vous vivez. J'ai suffisamment voyagé pour savoir qu'il est beaucoup plus facile d'être audacieux pour Jésus dans un endroit où l'on ne parle pas la langue. Car je peux y rester une semaine, je peux y rester un mois, mais à un moment donné, je prends un avion et je repars. Mais honorer Jésus dans un endroit où vous vivez avec des gens semaine après semaine, mois après mois, année après année est un plus grand défi. Ils vous ont vu donner un coup de pied au chien dans le jardin, ou toute autre expression d'impiété que vous préférez. Si vous aimez les chiens, pardonnez-moi. Mon père était vétérinaire, nous considérions que c'était une victoire de donner un coup de pied au chien, alors peu importe. Je crois que nous avons la responsabilité de prier pour notre nation. Et en tant qu'étudiant en histoire, je peux vous dire une chose, c'est tout simplement un fait incontournable que l'histoire de notre nation est indissociable de la foi chrétienne. Nous avons des versets de l'écriture gravés dans nos bâtiments et monuments les plus célèbres dans tout notre pays. Notre système juridique, notre système éducatif, les principes sur lesquels nos entreprises ont fonctionné, les choses qui nous ont apporté les bénédictions de Dieu ne sont pas nos ressources naturelles, ni notre industrie, ni une ethnie particulière, car nous sommes un melting pot, nous venons de toutes les nations du monde. C'est cette foi, cette vision du monde qui nous a maintenus ensemble. Nos premières universités, nos universités les plus célèbres, ont été fondées comme des institutions de formation pour les ministres chrétiens. Encore une fois, cela fait très clairement partie de notre histoire. Ceux qui ont fondé notre nation étaient des disciples du Christ. Ce n'est pas une histoire parfaite, mais aucun groupe de personnes n'a une histoire parfaite, et je trouve inacceptable que la foi chrétienne et l'héritage chrétien de notre nation soient diminués, critiqués ou dépréciés parce que nous n'avons pas été des gens parfaits. Nous n'avons pas cette attitude envers les autres peuples. Nous n'avons pas cette attitude envers aucun groupe de personnes que vous imaginez, nous célébrons leur droit de pratiquer leur culte comme ils le souhaitent, et nous ne lions pas les résultats de leur foi choisie aux résultats de leur vie, nous respectons simplement leur droit de pratiquer leur culte comme ils le souhaitent. Je suis offensé par ceux qui regardent la foi chrétienne et commencent à la déchirer et à la diminuer parce que nous avons des chapitres qui sont moins que brillants. C'est vrai, mais c'est à nous de traiter cela, pas à des étrangers qui attaquent notre foi. Et je veux dire aux chrétiens d'arrêter de s'excuser parce que vous êtes un disciple du Christ. Si vous aimez jouer au baseball, vous ne vous excusez pas parce que les Astros de Houston étaient des tricheurs, vous aimez juste le baseball. Et nous nous excusons depuis assez longtemps. Nous avons des défauts et des faiblesses, nous les reconnaîtrons et les admettrons, mais cela ne diminue pas l'engagement que nous avons envers Jésus ou la reconnaissance que notre foi a apportée à notre nation, mais c'est notre mission de veiller à ce que cet héritage se perpétue. Il ne faut pas longtemps pour perdre une vision du monde. En fait, dans cette session, je veux vous parler de l'Amérique qui revient à Dieu, parce que nous ne sommes pas proches de lui. Nous ne sommes même pas dans le même quartier. Je ne pense pas que nous soyons dans le fuseau horaire.
nous devons revenir à Dieu. La bonne nouvelle est que nous ne sommes pas le premier groupe de personnes à errer. Nous ne sommes pas la première génération à perdre notre concentration. En fait, il est clair dans les Écritures qu'à partir du moment où Dieu a commencé à développer un peuple pour lui-même, qu'il a compris la nature humaine, nous ne serons pas capables de tenir le cap. Il faudrait prendre des dispositions pour que nous retournions à lui. Je vous ai apporté quelques exemples. Néhémie chapitre 1. J'ai choisi cela, nous aurions pu commencer par Deutéronome, mais la liste aurait été trop longue. Eh bien, je ne pensais pas que vous voudriez rester aussi tard. C'est Néhémie, vous vous souvenez que Néhémie est l'échanson du roi de Perse? L'exil a donc eu lieu, les enfants d'Israël sont déjà arrivés en terre promise, ils y ont vécu pendant des centaines d'années, ils ont perdu leur place à cause de leur infidélité. Ils veulent retourner dans leur pays, mais le retour dans leur pays est la composante secondaire qui découle du retour à Dieu. Voyez, si nous revenons à Dieu en tant qu'Église dans cette nation, nous verrons les bénédictions de Dieu revenir. Néhémie 1 verset 8, souviens-toi de l'ordre que tu as donné à ton serviteur Moïse, en disant, « Si tu es infidèle, je te disperserai parmi les nations, mais si tu reviens à moi et si tu gardes mes commandements, alors même si ton peuple exilé est à l'horizon le plus lointain, je le rassemblerai de là et je le ramènerai au lieu que j'ai choisi pour y faire résider mon nom. » Dans ce cas particulier, il est vrai que Néhémie rappelle à Dieu sa promesse de ramener les descendants d'Abraham, d'Isaac et de Jacob à un endroit sur la planète Terre. Mais le principe reste valable pour retourner au service de Dieu, car leur droit de demeurer sur cette terre, cette part d'héritage promise, était liée à leur condition spirituelle. La raison pour laquelle ils ont perdu leur place dans ce pays était la condition de leur cœur. Encore une fois, la raison pour laquelle nous avons été bénis a plus à voir avec la condition de notre cœur qu'avec nos ressources naturelles, et si le peuple de Dieu prête attention à notre cœur, nous verrons des changements dans nos écoles, dans la façon dont nous traitons les uns les autres, dans la paix avec laquelle nous pouvons vivre ensemble dans le respect et la dignité que nous nous donnerons les uns aux autres. Prenons juste une minute pour regarder ce que dit l'Écriture à propos de ce refus de suivre Dieu. Cela ne surprend pas Dieu. Vous savez, il y a longtemps, j'ai passé beaucoup de temps avec des chevaux, et on apprend à connaître leur caractère et leur attitude, et c'est assez prévisible. On peut dire leur attitude par leur langage corporel, ce qu'ils font avec leurs oreilles, vous savez, comment ils bougent. Vous pouvez dire s'ils sont de bonne ou de mauvaise humeur, s'il est prudent d'être dans l'espace avec eux ou s'il faut être un peu plus prudent, et c'est prévisible. C'est prévisible à l'heure du repas, je veux dire, il y a juste un rythme. Et la Bible nous dit que Dieu n'est pas pris au dépourvu par le comportement humain, mais il a prévu cela, et il a identifié une voie par laquelle les êtres humains peuvent être pieux. Donc, la vraie question fondamentale, la simple question qui se pose est, voulons-nous être pieux? En fait, si vous ne retenez rien d'autre de cette session, je vous remettrai cette idée. Dans quelle mesure avez-vous vraiment l'intention d'être pieux? Je sais que nous voulons aller au paradis. Je veux dire, s'il y a un enfer, qui dans son bon sens voudrait y aller, alors oui, si la question est le paradis ou l'enfer, je choisirais le paradis, mais laissons cela de côté pour une minute, entre ici et là, voulez-vous vraiment être pieux, ou pensez-vous qu'il est plus amusant d'être impie? Vous voulez juste assez de piété pour être sûr de ne pas aller au sud, et je ne parle pas de l'Alabama. Romains chapitre 1, le livre des Romains est l'un des traités théologiques les plus magistraux qui ait jamais été écrit. Et Romains chapitre 1 décrit la progression vers le bas du caractère humain lorsque nous rejetons Dieu, et il commence par deux choix fondamentaux que les humains font. Il dit que bien que nous sachions qu'il y a un Dieu, ce n'est pas dans vos notes, mais c'est dans Romains 1, bien que nous sachions qu'il y a un Dieu, nous refusons de le glorifier et nous refusons de lui rendre grâce. Nous ne donnerons pas à Dieu la gloire qui lui est due. Il n'est pas comme nous. Il dit que les qualités invisibles de Dieu, sa puissance et sa majesté, sont révélées dans sa création. Et je suis perplexe devant l'entêtement avec lequel nous refusons de reconnaître Dieu comme créateur. Il n'y a tout simplement aucune logique dans l'évolution. Que savez-vous qui s'améliore lorsqu'on le laisse tranquille? Le principe fondamental de la physique est que l'énergie est en mouvement. Nous nous détendons, nous passons d'un état d'ordre à un état de désordre. Même la science s'oppose à l'évolution, mais nous étions prêts à l'accepter parce que nous ne voulions pas accepter que s'il y avait un créateur, vous auriez une responsabilité envers lui.
Donc, si vous pensez que votre éducation est si brillante qu'elle vous empêche de croire en Dieu comme créateur, commencez à dire doucement, « Seigneur, je suis désolé, aidez-moi. Je comprends le tiraillement. J'ai commencé ma carrière universitaire dans les sciences fondamentales. J'ai suivi de nombreux cours et j'ai entendu de grands mots sur l'évolution. Mais le livre des Romains dit que si vous rejetez le fait que Dieu est le Créateur, vous allez sombrer à partir de là. Et puis, il nous fait marcher, je ne vous ai pas donné toute la partie, mais je vous en ai apporté une partie. Puisqu'ils n'ont pas jugé utile de conserver la connaissance de Dieu, nous ne voulions tout simplement pas nous attarder sur Dieu, Dieu les a livrés à un esprit épravé. Soit vous remplirez votre esprit de Dieu, soit votre esprit sera de plus en plus rempli de dépravation. C'est juste une sorte de mot sophistiqué pour l'impiété, faire ce qui ne doit pas être fait. Vous voyez, s'il y a un créateur, il y a des choses qui devraient être faites et des choses qui ne devraient pas être faites, et c'est le problème fondamental, parce que nous sommes une race de rebelles. Nous ne voulons pas que quelqu'un nous dise qu'il existe une meilleure voie, qu'il existe une vérité objective. Nous préférons ma vérité, et votre vérité, ici une vérité, il y a des vérités, partout une vérité, la vérité. J'ai observé la corruption de ce système. J'ai vécu assez longtemps pour voir la corruption de ce système. Je me souviens quand la CLU, l'Union américaine pour les libertés civiles, s'est battue pour la liberté d'expression. Je les ai vus défendre certains des comportements les plus odieux pour défendre le principe de la liberté d'expression dans cette nation. Je les ai vus en cette période où il y a une tentative systématique de censurer la liberté d'expression, et ce groupe de personnes a perdu sa voix. Il ne s'agit pas de liberté d'expression, mais de pouvoir. Les chrétiens ont été incroyablement naïfs. Il y a une vérité objective. Vous pouvez connaître la vérité. Je dois y aller, allez, arrêtez de me faire sortir du sujet. Verset 29, ils sont emplis de toute espèce de méchanceté. Puis il énumère environ 19 aspects du caractère humain qui se détérioreront si vous rejetez la connaissance de Dieu. Ils sont remplis de toute espèce de méchanceté, de malice, de cupidité, de dépravation. Ils sont pleins d'envie, de meurtre, de querelle, de tromperie, de malice. Ce sont des commérages. Vous avez des commérages dans la même catégorie que le meurtre, l'envie et les querelles. Ne soyez pas un commérage. Ne l'enveloppez pas dans une demande de prière, ce ne sont que des ragots. Ne l'enveloppez pas dans un sentiment, une direction, une incitation. Les calomniateurs, les ennemis de Dieu, les insolents, les arrogants, les vantards, ils inventent des moyens de faire le mal, ils désobéissent à leurs parents, ils sont insensés, sans foi, sans cœur, sans pitié, et bien qu'ils connaissent le décret juste de Dieu, selon lequel ceux qui font de telles choses méritent la mort, non seulement ils continuent à faire ces mêmes choses, mais ils approuvent aussi ceux qui les pratiquent. Ce qui me surprend le plus dans cette dégradation, cette liste de dégradation, c'est que les gens qui empruntent ce chemin savent que c'est inapproprié, mais ils le choisissent pour eux-mêmes, et ils approuveront ceux qui le feront. Maintenant, nous savons que c'est vrai grâce à notre propre participation à l'observation de l'activité humaine, n'est-ce pas? Si vous devez vous conduire mal, ne voulez-vous pas recruter quelqu'un pour se conduire mal avec vous? Personne ne répondra à cette question à l'Église, d'accord. Eh bien, la Bible nous dit que plus nous nous rapprochons de la fin de cet âge, plus nous verrons ce schéma s'intensifier. Il va augmenter, il va prendre de l'ampleur. Il y a un point de basculement quelque part. Cela est dû en partie au fait que les forces spirituelles de la méchanceté seront libérées de manière inhabituelle. Ce sera comme si des barrières étaient abattues, des choses se déchaîneront, nous arrivons à la fin de l'âge. Le royaume des ténèbres le sait dans une certaine mesure, et il y a une intentionnalité et une intensité dans leurs efforts pour détruire l'humanité. Voyez-vous, lorsque vous devenez un disciple de Christ, vous vous engagez automatiquement dans un conflit spirituel. Vous avez un adversaire. Satan déteste Dieu. Il a perdu sa place là-bas. Les êtres humains sont le couronnement de la création de Dieu sur la planète Terre, et l'objectif de Satan est votre destruction. Jésus l'a dit dans Jean 10. Il a dit, « Je suis venu pour que vous ayez la vie et que vous l'ayez en abondance, mais l'ennemi vient pour voler, pour tuer et pour détruire. » Vous souvenez-vous de qui a écrit l'Épître aux Romains? Ce n'est pas une question piège, c'est Paul qui l'a fait. L'Épître aux Romains, il l'a écrite à l'Église de Rome.
Il a aussi écrit 2 Timothée, il n'est donc pas surprenant qu'il y ait une pensée commune, un vocabulaire commun et quelques similitudes. Dans 2 Timothée chapitre 3 au verset 1, Paul dit « Sache que dans les derniers jours il y aura des temps difficiles. » Et maintenant, il y a une liste de 18 ou 19 caractéristiques, et cela rappelle beaucoup la liste de Romains 1, et elle décrit la détérioration du caractère humain. Il me semble que Romains 1 ressemble au principe théologique, et 2 Timothée est une description de ce que l'on va ressentir réellement. Les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, vantards, orgueilleux, injurieux, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, téméraires, enflés d'orgueil, amis du plaisir plus qu'amis de Dieu. Ils auront l'apparence de la piété, mais renieront ce qui en fait la force. N'ayez rien à faire avec eux. Cela ressemble beaucoup à la liste de Romains 1, n'est-ce pas? Ce dont je suis conscient, c'est à quelle vitesse nous pouvons perdre une idée. Je n'ai jamais vécu une période où le changement arrivait avec une telle ampleur et à une telle vitesse, c'est désorientant. C'est une période de grande discontinuité, où il y a des ruptures importantes avec les comportements ou les habitudes antérieures. Et ce sont des moments où vous êtes beaucoup plus facilement manipulé ou réaligné. Il est donc très important dans les périodes de grande discontinuité et de troubles de comprendre quels sont vos fondements, car il ne faut pas très longtemps pour perdre une idée. Je veux prier avec vous avant de partir, et la prière est vraiment simple. Elle a du sens, mais elle est simple. Que nous abandonnions complètement notre vie à Dieu, sans excuses, sans provision pour notre moi charnel. Prions, Père, nous choisissons de te donner tout notre être, en sacrifice vivant sur ton autel. Pardonne-nous pour tout ce que nous avons détenu.